pas. Entre autres. Ça va de soi. Je te donne un exemple. Que ça soit au niveau des communications, c'est-à-dire Internet. Satellite, tout. Lika mobile, c'est lui qui envoie tout. Il payait la France. Il a vu qu'il pouvait faire beaucoup plus de bénéfices pour son peuple. Il perdait beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Être indépendant. Pour moi, en d'autres termes, Kadhafi, il est victime d'un coup d'État. Et que quelqu'un me prouve le contraire. C'est qu'en Afrique, tu vois, on n'en parle plus là. Il y a la merde là-bas, on n'en parle plus. Regarde, je te donne un exemple. T'as juste à aller sur Google, tu tapes Kadhafi, la ville, la référence mondiale. J'aime cette référence. Non mais attends, mon ami. C'est quoi quand tu dis va voir sur Wikipédia, c'est bien. Écoute, moi si tu veux que je te parle franchement, moi là-bas je vais sous l'intranet, tu vois. Je vais chercher mes sources sur Il y a des bonnes sources aussi sur internet. Il y a des bonnes sources, mais il faut les comprendre. Il faut filtrer. Bien sûr, il faut filtrer. Il y a des très bonnes sources. Parce que quand tu tapes quelque chose sur Google, les premières choses qui arrivent sont extrêmement fausses. Tu vois le délire ? C'est vers la 15e, 20e page que tu vois la vérité. C'est vrai. On est bien d'accord. Donc moi je te dis quoi ? T'as juste à regarder sur Google images de ville là-bas, tu verras que quand c'était Kadhafi qui gouvernait, la ville elle était magnifique. L'un des meilleurs idéaux d'Afrique. C'était magnifique, tout était propre. Les citoyens là-bas ne payaient pas l'électricité. Quand il y avait des gens qui devaient devenir des citoyens qui voulaient devenir médecins, ils leur donnaient de l'argent et en plus de ça, ils les expédiaient dans d'autres pays. Depuis Kadhafi il est mort, regarde maintenant la ville comment elle est. On en parle plus. C'est un désastre. C'est un désastre, mon ami. On n'en parle plus.